j'ai un coup de pont. J'ai un coup de barre. Merde. Ouais. Ouais. T'as bien dormi quand même, hier. Hein? T'as bien dormi pourtant? Ouais, non, mais c'est juste. Ouais. C'est fatal. De toute façon, à cette heure-là, c'est fatal. En général, ça m'arrive plus sur le coup des 7 heures, quand on rentre. Moi, c'est plus le matin. Hein. Dans les embouteillages. Sur les 7 heures. L'hiver, encore plus. Avec le chauffage, t'avances pas. Moi, c'est plus le matin. Hein. Là, tu t'endors. Ça me casse. Bon. C'est plus le matin. Bon, je préfère faire ça la nuit que travailler le jour. C'est plus sympa. Les gens sont plus cool. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Et puis c'était bon, bah quoi, tu regarde. Les cons, quoi. Quand tu finis vers 10-11 heures, ça te laisse encore un petit bout de temps. Ça te laisse encore 10 minutes. Non, mais tu peux gêner. Non, non. Sur la route de Memphis, t'aimes bien ou quoi ça? Enfin, plus, là. Sur la route de Rungis. Sur la route de Rungis. Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Plateforme gargantuesque qui nourrit au quotidien près de 18 millions d'Européens. Chaque nuit, 16 000 véhicules convergent pour décharger puis s'approvisionner en victuailles. Une ville dans la ville, lieu de travail privilégié de Pascal et Sacha. Ces deux acheteurs y choisissent et négocient toutes sortes de denrées rares et d'excellence qu'ils livrent au petit matin dans les grands restaurants parisiens. D'être dans les premiers. Pour moi, il y a de la place. Tous les soirs, on a une commande. On travaille pour 10 restaurants, on a une commande de chaque restaurant, tous les soirs. Le but du jeu, c'est de leur acheter tous les produits, les meilleurs produits, au prix les plus bas, et de leur livrer à 9h. En général, les gars, ils arrivent à 9h, les cuisiniers, ils arrivent à 9h, bah, que tout soit dans leur frigo à 9h. Quoi. C'est-à-dire que le gars, il arrive, il n'a plus qu'à travailler, il attend pas ses marchandises. Allez, let's go. Quand j'arrive à l'intérieur du pavillon, déjà j'ai ma liste de produits. Alors le problème, c'est déjà de savoir s'il y a le produit sur le marché. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Donc ça, c'est assez palpitant. Donc il y a un enjeu, tous les soirs, on se remet en cause. Ça nous évite évidemment d'être dans le train-train. Bonjour, ça va bien? Ça va bien les garçons? Ça marche? Bah, j'irai bien. Si tout le monde cherche du bar, du turbo, de ligne ou d'autres produits un peu spécifiques pour la grande restauration, c'est là où ça devient compliqué et puis il faut être le premier sur le coup. On revient là alors. Là t'as deux belles pièces de turbo. Ça c'est celui-là. J'ai encore trouvé une pièce de musée là. A chaque fois je fais ça. Bon. Je sais pas ce qu'il y a entre toi et moi. Super top. Ok. C'est bon les deux là? 4,6 kg, 5,4 kg. C'est bon. Ah ouais, juste pile-poil du kilo. Par contre, il m'en faut deux. Bon, mais c'est pas grave, je vais les trouver. Non, mais je vais les trouver. J'arrive, il nous reste quelque chose en beau turbo ou pas? Ou c'est les deux derniers? Les deux derniers, je vais trouver ça, c'est pas grave. Mais
c'est dommage, toi, tu as deux veaux, tu vas acheter deux moins veaux ailleurs. C'est vraiment dommage. Tu les veux pas, ceux-là ? Si, il en veut quatre en tout. Parce qu'il a, mais il est acheteur en fait. J'arriverai. Non, je sais pas. Après, je vais avoir une taille inférieure. En dos ? En quoi ? En turbo. En turbo, mais vraiment inférieure à 2 kilos. Non, je peux pas t'aider. Voilà, Pascal. Bon, maintenant, on parle au price. J'ai pas encore dit le prix, tombe pas dans les pommes. Allez, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est très cher. Ça, c'est chaud. Je sais. Le beau turbo, c'est chaud. C'est simple, je le marque même pas tellement j'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. Ouille, ouille, ouille. On va faire un effort, là. Oui, oui, je vais faire un effort. Je vais te le faire à 28. Encore 50 centimes. Non, non, non. Laurent. Attends, je t'ai tout ce que je t'ai fait. Ça, sympa. Ça vaut 30 euros. C'est pas des francs, je te parle, c'est en euros. Non, mais je sais. Attends, je sais qu'il parle en euros. D'accord. Non, mais je te le rappelle. Au cas où, je te le rappelle, 2 euros, je t'ai fait plus de 13 francs de remise. Ouais. C'est 10 kilos. T'imagines ? Est-ce que t'imagines ? J'imagine, tout à fait. Ouais. La dorade ? Est-ce qu'on a retrouvé la dorade magique ? Ben non, justement, on me dit qu'il l'a refait. C'est vrai, c'est pas vrai ? Il l'a refaite ? C'est pas moi, je l'ai pas fait. Ah, je sais pas. Alors. Et après, on va refaire, là, c'est moi qui vais la faire tout de suite. Très bien, il n'y a pas de problème. Ça va, bien, sinon ? Ça va ? Ouais, ça va. Ça marche ? Ouais, bien. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est l'incertitude, d'être pas sûr de trouver le produit. Parce que c'est ce qui pimente un petit peu notre goût. On reste au courant des prix, attentif ou court, mais on cherche le produit. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir le produit, quoi qu'il arrive. Et puis après, bon, il faut le faire baisser, quoi. Il faut savoir qu'un produit d'exception, on va dire comme le turbo ou le bar ou encore le Saint-Pierre, on ne peut pas le descendre sous ce qu'il coûte. Il faut avoir le produit hein, parce que le restaurant le demande. Hein, donc si on attend trop, on ne l'a pas. C'est du gros turbo aussi. Ah, ben voilà, j'ai trouvé du turbo. Il est nickel. J'ai un petit prix, j'ai trouvé que ça vaut là-dessus, ça vaut 32, ça fait 28. 27. Non, Attends, c'est le prix que j'ai payé à côté. Ça vaut 30, dans la qualité. Non, mais attends, c'est le plus gros. C'est le plus gros. Ouais. 27. Bon, non, c'est le prix que j'ai payé. Okay. À qui ? À Cascade. Voilà. Comme ça, je vais lui dire alors. 6,8 kg. C'est un jeu entre Sacha et moi. Quand on négocie avec quelqu'un, on reste l'un à côté de l'autre, tout se passe avec des regards. C'est-à-dire on sait qu'il y en a un qui lâche l'affaire et puis l'autre qui retourne, on rattaque un petit peu, c'est marrant. Ça, c'est plus sympa que de négocier tout seul. Je l'ai trouvé, mon turbo. Au revoir, monsieur. Ouais, je suis pas si cool. Mais là, vraiment, t'as eu un coup de cul, là. Peut-être. Ça m'arrive souvent, alors. T'as l'air. Hein ? Quoi ? Non, il reste un collègue d'or, mais je sais pas ce qu'ils font pour pas récupérer. RAD. Qu'est-ce qu'ils foutent avec la dorade, là ? Moi, je vais rester là. Hein. Bon, allez, vas-y, il va faire ce qu'il a à faire. Moi, ce que j'aime bien la nuit, c'est que c'est speed. Et en même temps, il faut prendre son temps. Pour les produits spécifiques qu'on a achetés. Et c'est cette ambiance où les camions se garent un peu n'importe où, les gens courent, quoi. C'est le monde qu'il y a. Les pavillons s'allument les uns après les autres. En l'occurrence, le premier, le poisson, après la volaille vers 3 heures. Les fruits et légumes vers 4h30-5h. Entre-temps, la crèmerie, la triperie, la volaille, enfin bon, le speed du métier, quoi. C'est ça que j'aime bien. Sacha, l'encornet là que t'as pour la maison de la chasse.
Il faut le ramener, c'est pas ça, c'est pas ça qui va. Non, c'est des anneaux comme au Paris Country Club. Ah oui, c'est pour faire des frites. Des calamars à frites, ouais, sinon t'es... C'est combien? C'est des 5 kilos? C'est des 5 kilos, ouais. 5 kilos. Tu vas chez demain. Bon, laisse tomber. Tu le ramènes, nous on va le prendre chez demain, on va te le déposer au Royaume. Ok? Je pars à la volaille. Bon, bah on continue. Ils ouvrent à quelle heure, là? Le chalet. Quoi? Ouais. Tard. Non, je voulais lancer quelque chose, mais c'est pas grave. À tout à l'heure. C'est une vie en décalé, hein. Donc, mais bon, ça, c'est le désavantage. Le gros avantage, c'est que t'es tranquille, quoi. Parce que bon, les gens, ils sont là pour la même chose. Je les sens moins agressifs la nuit que le jour. C'est l'impression que ça me donne, quoi. Tout va bien? Et toi? Ouais. Allez. Nous aurons deux colis de carcasse de volaille pour le pavillon de la Grande Cascade. Alors, pavillon de la Grande Cascade. On a 16. Toujours sur le 90. Très bien. Garnier Saint-Lazare, 10 kilos. Je t'ai dit carcasse de volaille, hein. Ouais, poulet, ouais. Une taille pack vidée? Ouais. Et 5 kilos de sanglier. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, alors, le gibier, bon, moi je vais bien prendre la commande. L'idéal, c'est d'aller voir les spécialistes quand même. Parce qu'il n'y a pas quel morceau, je sais, j'y connais rien. Mais moi, regarde, le problème, c'est ça, hein, regarde, 5 kilos de sanglier, mais j'en sais pas plus. Bon, bah, 5 kilos, 4-5 kilos, c'est pour faire du sauté, je vais voir avec Olivier. D'accord. Il est bon! Non, mais d'accord, mais il est bon! Elle est bon là. Tu sais qu'elle est bon. Christelle, elle est derrière. Je me mets la Christelle. Je peux prendre le Z. Merci. Il faut demander à Pino si la tester. C'est compliqué. Oh là là, c'est très compliqué là. Partout, je te cherche derrière. T'es fort. Alors. Vraiment, t'aurais pu improviser, tu les connais, les prix. Oui, vraiment. Je me permettrais pas, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un peu de mal, non? Il faudrait que vous m'invitiez à manger, le soir. Là, je vous gâcherai votre soirée. Si votre fille elle est là, c'est impeccable. On pourra discuter. Bon, évidemment, si votre mari est là, bon, on peut parler, mais bon, c'est rapidement coupé. Hein. Il n'aime pas trop parler. Non, il n'y a plus de vie. Il n'aime pas trop parler. À la maison, il y a moins 5 filles, alors. Attention. Ah ouais, ça ne m'étonne pas que ce soit un chasseur. Hein. Il a la tête. Chargé, bien évidemment. Je ne sais même pas dire grenouille en anglais. Très bien, je n'ai pas. Si ça n'a pas. On va demander à l'interprète. Non, non, voilà. Qui est-ce qui est là?
frog. Oh, frog. This frog. This frog. Clams? Voilà, this oh, frog, okay. Okay, I see. Omar, Turbo, Amar. Moi je suis venu par l'intermédiaire de Pascal, c'est lui qui m'a tout appris. On a commencé ensemble, puis après j'ai appris sur le tas. Tous les jours, puis j'apprends encore. Et ça c'est... Eh, c'est quoi ça? Je l'ai démoulé. Hein? Oh, c'est moi qui les ai démoulés. Eh, sache. Ça va pas? Ramène-le, ramène-le. C'est un peu froid. Si t'en fais. Tu peux me changer? Non, c'est pas ouais. Ce que je veux. Ok. Ah, s'il te plaît. Je pensais que c'était bien, mais bon. Non? Et voilà. 10-15 ans. C'est formidable. C'est pas tout à fait la même chose. Ah non. Non. Tiens, passe-moi ton couteau quand même, que je fasse voir la cam. Hein? Mais t'as pas de couteau? Bah, écoute. Bah voilà. Quand même une différence. Arrive maintenant. Pas la même cam. Un café très rue. Alors attends, parce que là il me faut des pommos pour la cassette, c'est pour faire des suprêmes. Donc il me faut des pommos avec des beaux suprêmes. Il y a d'autres enseignes comme elle est rose. Voilà. Ouais, mais rose c'est très bien. Il n'est pas blanc. Bon, c'est bon. Vas-y, l'aspect, il est attends, blanc, attends, mais... Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Attends. En fait, ils font des suprêmes. Bon, je sais pas les éplucher, pas. Mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer à peu près. Voilà, ah, tu vois, y a c'est trop... rose. Ouais, parce que l'autre est rouge. Non, mais là, il y a trop de fond. Et les autres, c'est pareil. Hein. C'est rose. Rouge, et ça, c'est rose. Rouge. Ah, Pascal, commence pas, toi. Je coupe ça comme un sagouin. Évidemment. Non, la peau est plus fine. Oui. Eux, en fait... Tout va couper comme ça. Non, mais c'est pas grave. Eux, ils coupent le suprême, en fait, et ils coupent, tu vois, ils font les quartiers. Oui, les quartiers. On élève la peau et on laisse là. Voilà. Et ça, c'est impeccable pour ça. Parce que ça s'épouche très facilement. Voilà. Ouais, non, mais là, il y a une grosse peau, tu vois. Attends, est-ce que là... Une grosse peau, mais la peau ne va pas manger. Non, je sais qu'ils ne vont pas la manger. Et voilà. Ouh, le jus, il y en a le même que l'autre. Hein. Regarde, s'il est gros, on ne tient pas la main. Tu as le choix. Ou tu prends le gros, ou tu prends le petit. Tiens, voir, Sacha. Tiens, goûte ça. Tu vois, c'est un goût de noix de coco. C'est un arrière-goût de noix de coco. Et ça vient d'Espagne. Tu vois un peu cette mangue. Alors c'est top, hein. Ouais, c'est... Ah ouais. C'est un arrière-goût de notre coco. Je vais pas fumer. Edouard, on fait un super. Et le prix, ça va être bon aussi. Ah bah ouais, ça. Hein? Mais ça le vaut. C'est. Ouais, mieux que la canne. C'est exceptionnel. Hein? C'est
fine, c'est différent, c'est fine, c'est... Il déguste pas, il bouffe. Ça se mange comme ça. Il bouffe même la peau. Bon, allez. Moi, je mange tout, je... Oh là 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 là. On est venu ici manger ce matin. Et Garcimore, mort. Il m'a été bon, le Garcimore. Coupe en carton. Ciao. Allez, bonne journée. Ciao. Allez, au revoir. Il n'y a pas une journée où on rigole pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire hein? On rigole pas, quoi. Donc, c'est des bons souvenirs. Nous, on a commencé ensemble, on a une complicité. On se comprend du regard. Des fois, on parle à demi-mot, on se comprend. Et en plus, on arrive à sortir ensemble en dehors du travail. Et quand on arrive là, c'est que vraiment, c'est plus que de la complicité. Quoi. C'est une histoire d'amitié. Quoi. Rungis, ça nourrit tout le monde, on est bien d'accord. Parce que là, regarde, c'est incroyable. On dirait qu'ils vont les jeter, alors donc. C'est bien. Tu vois ? Quelques-unes, mais bon, pas terrible. Ouais. Non. Là, c'est le début, là. Faut attendre une quinzaine de jours. Gibier, on s'envoie un peu. Faut être assez complice, enfin, avec les chefs en général, parce que c'est quand même des gens avec qui on travaille en direct. Faut lui dire les produits qu'on est capable et susceptible de trouver au hall et les produits qui sont hors saison et qu'on pourra manifestement pas trouver. En fait, on est leurs yeux. On doit essayer de devancer un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, on doit les connaître. Et faire comme si c'était eux qui achetaient, alors que c'est nous. Le 6 octobre, on avait fait la noix de coquille Saint-Jacques. Voilà. Le 6 octobre. Mais là, c'est le Grand Prix, c'est un 2. Ouais, voilà. C'est le 2. Donc le premier c'est le samedi. Donc dans la nuit du vendredi au samedi, c'est le dernier jour de Halle pour Rungis. Ils feront pas venir de Saint-Jacques. Sûr? Oh. T'es à 90%. 90%. Non, là, c'est un trou gros problème. C'est pas la si c'est pour que ça fasse comme il y a 2-3 ans, on commande les perdreaux le jeudi. Le jeudi, le gars il dit, bon, bah attends, ça va arriver, bah tu les auras demain. Le lendemain, le vendredi, tu les auras, bah, écoute, c'est pareil, tu les auras le samedi. Tout et puis ouais, au final, le samedi, on a été obligé de trouver une autre solution parce qu'il n'y avait pas de perdreaux sur les halles. Là, c'est même pas la peine parce que là, on pourra pas aller. Non, on va pas aller. Cette année, la on va pas aller en Bretagne chercher les Saint-Jacques. Hein. Saint-Jacques, c'est dommage, on aurait fait ça avec une endive manière. Il veut pas. Un bornoisette légèrement truffé. Mais tu l'auras la semaine après, la Saint-Jacques. Ouais, c'est dommage. Pourtant, habituellement, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, c'est l'ouverture de la Saint-Jacques. Bon, cette année, ça tombe mal. C'est premier et deux, samedi premier, dimanche deux. Turbo. Bar ou turbo? Bar. Je pense pour la quantité bar. Ouais. Trouver pour des, quantités, des gros c'est... bars pour de les ligne, quantités, des, c'est 4-5 ou 5-6. Ouais, pas de problème. D'accord. Après. Je ne sais pas si je fais le blanc de bar ou si je fais un pavé de bar rôti. D'accord. T'auras des gros bars. Ça, c'est les quantités. Il faudrait au moins 8-10 pièces, quoi. On l'aura, mais bon, ça va être la galère parce qu'on va faire tout au dernier moment, quoi. Parce qu'il faut quand même des produits frais. Enfin, surtout pour les poissons. Viande. Ah, vas-y. Donc, on avait fait pigeon à la rôtissoire. Et on avait fait quinton croisé l'année d'après. Moi, je pensais faire une volaille de Bresse. Marc. Volaille de Bresse. Tu sais ce que tu peux, ce qu'on peut faire. À la limite, tu peux me marquer pour moi. Volaille de Bresse, perdreau. Ouais, on va bien voir la tendance. Ouais. La tendance, à partir,
pas ce soir, parce que bon, bah, ce soir, ça, ça sert à rien, tu vois. Mais dès mercredi prochain. Dès que, même pas, lundi soir. Lundi soir, on va le voir tout de suite. Pour le perdre. Mais qu'on soit sûr, quoi. Non, non, t'inquiète, il faut pas, t'inquiète pas. Faut qu'on commence. Non, non, mais attends. Si les gens demandent les menus, non, hein, non, les bars, c'est pareil, il va falloir au moins non, mais les bars, 10, 12 pièces. Ça, on les aura. Les bars, c'est pas le problème. Les bars, il y en a tous les jours. Vraiment. Top. Ouais. On les sort de la caisse, ils sont droits. Hein, ils feraient encore. Il y, y en a tous les jours. Donc, bah, ça serait marrant qu'il n'y en ait pas. Voilà, et puis regardez un petit peu. Commencez à regarder aussi autour d'autres produits, quoi. Hein. Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Il est 6 heures, Paris s'éveille, et dans les pavillons, après la vente et le rangement, c'est le bal du négoce. Laurent est grossiste, amoureux du poisson, qu'il aime palper, sentir et soupeser, au plus près de la mer et de ses fournisseurs, en Méditerranée. Mais avant d'y partir, il prend connaissance de la pêche, passe commande et prévoit ses livraisons. Ça, c'est la commande au dôme. Ça, c'est, ouais, ça, ça, c'est vendu, c'est toute sa commande. Ça, c'est ce qui reste en bar. Ça, ce qui est, ouais. En barbet, on est bien pour demain. Saumon, il n'y en a plus, Jean-Yves. Ça, c'est vendu. Et le coffre qui est en dessous est vendu aussi. Non, c'est caché pour le. Donc, on a encore un coffre et trois pièces. Donc, il va falloir qu'on pointe ça tout à l'heure, qu'on ne se trompe pas et qu'on soit pile poil pour demain. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de gros soucis, mais moi, je veux plus beau que ça encore. Je veux du top de chez top. Il faut que ça soit red bout de bois. Tu vois, là, c'était joli, mais c'était pas tip top, quoi. C'était pas red bout de bois. On a besoin de ça, parce que maintenant, on vend de plus en plus. On a de plus en plus de mal à vendre. Le poisson est de plus en plus cher, donc on est de plus en plus exigeant sur la qualité. Il nous... ah, mais ça, bah, c'est compliqué. C'est pas un métier facile, sinon tout le monde le ferait. Il n'y avait pas à se tromper, je te promets, il était pas beau. Pour moi, ce n'est pas du lieu jaune de ligne. Ah ben, je sais pas, ben, je comprends. Eh ben, tu... ben, si. Que... Tu viens de faire un stage? Ouais, tiens. Oh, ça y est. Mais non, non, ça y est pas, viens, viens. Non, j'ai entendu, hein. Bah oui, ben, j'ai pas... J'en ai fait exprès. Mais on n'a pas... non, on n'a pas l'habitude de réclamer quand c'est pas nécessaire. Tu, tu, non, le, sais, tu bien, le sais bien. J'ai acheté ça sur le Calypso. Sur le Calypso, c'était ta ligne. Et par vrai, il a coulé le Calypso, ouais. Mon Dieu, il a dit, bah, ça, c'est sûr, c'est bon, on va être normalement. Tu t'es fait niquer, c'est tout. Comme un bleu. T'es pas un bon, tu t'es fait niquer. Comme un bleu. Rappelle-toi, t'étais c'est... meilleur avant. Il a changé, hein. Demande à ton père, tu vas voir. Et vous en faites plus, du homard. T'as vu le prix du homard? Il vaut mieux qu'on le rachète sous le pavillon, on va le payer moins cher. Je te promets, hein. Mais non, 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 non. Arrête. Attends, tu sais bien, quand je te parle, c'est du même produit, quand même. Il y en a un peu, ou pas? Oui, il y en a un peu, mais à 22, moi, j'en veux pas, hein. Si tu fais un effort, je vais bien t'en faire une caisse, tiens. Ou deux. Même deux caisses. Deux caisses? Fais-moi 21-20, s'il te plaît. Je te fais exceptionnellement 21-20. Voilà, deux fois 6. Pour te redonner goût à la qualité du homard de Manche-Marais. Ah, je te remercie. Ok. Ok. Bon week-end. Lundi, t'appelles Laurent. Ouais, ok, on appelle Laurent lundi. Bah, tu l'envoies, ça. Hein. Ouais. Bien aussi, sûr, t'as raison. Ouais. Francky. Ciao, Franck. Salut. Allez. Bon. Elle est bonne, la tête de veau. Ouais, ça change un peu. Ouais. Allô. Ouais, allô, Laurent. Allô. Oui.
Oui. Ouais, salut, c'est Fred. Salut, Franck. Fred. Bon, dis-moi, tu descends toujours à 7 ce soir? Ouais, ouais, ouais. Pas de problème. C'était après ce coup-là, t'avais dit. Hein. Ouais, ben j'ai commencé. Tu commences maintenant. Tu commences à vouloir me parler de baisser le tome, alors. Ah ouais. J'ai touché le point sensible, le prix. En parlant de ton, c'est la Dora qui a baissé aujourd'hui. Ouais. Ouais. J'ai un de tes concurrents qui m'a appelé ce matin et genre, il m'a demandé, je lui ai dit de pas faire. La maison Manzetti. Ah ouais. Tu connais Manzetti? Ouais, ouais. Quand le fournisseur me parle, je sais la qualité qu'il me vend. C'est pour ça que je travaille pas avec de télévendeurs. Pour moi, c'est important que mon fournisseur ait vu le poisson. Toujours. Et la première question, je dis, est-ce que tu l'as vu? Bien souvent, je dis, est-ce que tu l'as vu? Si tu l'as vu, ça passe. Il m'a dit, oui, c'est bien pour toi. Ben voilà, c'est bien. C'est bien pour moi. Moi, j'ai connu où on déchargeait les camions à la main. Donc, c'est un peu comme vous. Donc, si tu veux, quand tu avais la SMI qui se garait, toi, le sol de la SMI était là. Donc le gars, il prenait la caisse, il te l'achetait, puis là, t'avais flaf, tout le jus dans la tronche. Je disais, hop, puis j'étais la caisse, je plaf, je prenais la caisse, hop. Donc ça c'est connu, et les camions se garaient tout autour du pavillon. Donc c'était une époque, et déjà à cette époque-là, on disait, c'est pas l'ancienne époque. Mais ça, oui, c'est vrai que l'ancienne époque, c'est mon grand-père, il allait au hall avec sa charrue à la main. Donc c'était vraiment une autre époque encore. Après, il a eu une des premières voitures commerciales avec une bâche. Ces époques-là étaient super, mais il y a d'autres époques à vivre, quoi. Il y a d'autres choses à vivre encore maintenant, même pour vous, quoi. Il ne faut pas se dire qu'avant c'était bien et maintenant c'est nul. Non, même maintenant, il y a encore des trucs sympas à faire, quoi. Ce sera toujours mieux, quoi. Je suis nostalgique, j'aime bien les vieilles choses, j'aime bien le passé, j'aime bien... Mais j'estime qu'on a d'autres choses à vivre. Il y a des choses bien encore à vivre maintenant. Ça n'a jamais été mon métier, alors on voit que le mec, c'est son métier. Il y a une différence. La queue, par contre, là, c'est un peu long pour moi. Parce que le poissonnier, ça, il le travaille, tu vois. Il fait des... Tu sais comment il fait? Il fait des dards comme ça. Il fait des dards. Et arrivé là, ça te fait des dards qui sont comme ça. C'est pas commercialisable, quoi. Donc il faut une vraie queue. Une vraie queue, c'est ça. Et là, tu gardes. En été, on vend des longes comme ça parce que ça se vend bien. Mais là, on rentre dans la période, on va dire, presque hivernale, où ils vont vouloir des petits morceaux. Et donc ça, je suis sûr, pour les poissonniers, je peux me faire un créneau poissonnier restaurateur, un créneau sur les petits morceaux. Et là, toujours mettre la main dans la caisse et montrer au client, regarde. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un beau produit. Tout à l'heure, on parlait des produits, c'est ça qu'il disait la muche? Bon, bah, ça, nous, on appelle ça du mulet noir. Nous. Et ça, c'est aussi bon qu'un bar à manger. Ça, quand t'as une pesée, si à moins que tu les vendes bien ici, moi, je peux prendre ça. Une petite pesée, 3-4 pièces. Ça, c'est joli comme ça. Et c'est agréable à toucher. Et toujours, en général, tu remarques un professionnel dans l'alimentaire, il a besoin de toucher le produit. Tu vas à la viande, ils vont toucher le produit. Fruits et légumes, ils vont le goûter, ils vont... Bon, ben nous, c'est pareil, tu as besoin de...
de mettre la main dans le poisson. Puis on porte tellement, la caisse, on en porte tellement que... Sardina. Bonjour. Laurent Péan de Rungis, mon associé, elle est rico. C'est le top. Le top du produit. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Je veux le top. C'est le top, ça. C'est très, très beau. Ici, c'est très, très beau. Mais moi, je vais le recevoir pas ce soir. Je vais le recevoir demain soir. Ouais. Tu vois, là, l'hématome. Là, il ouais. y a un hématome. Et bien, chez moi, demain, le poisson est tout comme ça. Pas, non, mais demain, il est tout comme ça. C'est ça, le problème. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ce que j'achète, moi, j'ai un, c'est le dessus des bacs. Toujours. Bon, je vais t'en donner mon numéro, tu m'appelleras. Non, mais tu lui dis à lui. Moi, j'ai pas besoin. Avec lui, ça marche très bien. Je vais pas changer. T'es bien, tu changes pas. Mais toi, tu lui dis que t'as trié ce bateau pour moi et je te prends. Tu lui dis que j'ai trié pour Laurent ce bateau, tout le dessus des bacs, j'ai fait une pile à côté, ça c'est pour Laurent. Et moi, je lui prends. Mais là, le problème qu'on a, enfin, c'est pas de problème. Hein. On vit dans la baie. Hein. Quand tu vis sur le pont comme ça, tu vois tout l'ensemble du poisson. Tu arrives à évaluer. Ouais, ouais. Mais vivre dans une cuve avec de l'eau glacée, qu'est-ce que tu vois? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est avant de le pêcher. Ah, tu vois quand un truc. Quand c'est des petites quantités, tu le vois pas. Tu le vois quand pas. C'est des grosses quantités, tu le vois. D'accord. Là, tu as de 0,1 cm à 7,9 cm. Quand il marque une tache de poisson, il va nous donner la dimension, la taille du poisson. La taille du poisson. Et en général, la joie, c'est 16-17. 16-17 cm. On sait que c'est de la joie. La sardine, ça va de 19 à 22. La sardine de 24 kg, à peu près 26. Et les maquereaux, ils marquent 30, 32. Alors, suivant là-dessus, il me fait des traits, tu vois. Il me fait des traits, je sais la taille du poisson. Et j'ai la densité, hein, comme il y a de poissons au mètre carré. Pour être pêcheur, il faut faire. Alors, ça vient de tout ça. Ça a changé, hein. En 20 ans, ça doit vraiment changer. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment soigner à la base. Et l'avenir du poisson, il sera là. Les gens vont demander de plus en plus la qualité. Ils en ont marre de. Ils mangent moins, mais ils veulent mieux manger. Si on a fait ce bateau, c'est pour faire de la qualité. Hein. Un beau bateau doit faire du beau poisson. Barbin aussi. Salut Jean. Salut Jean-Yves. Bonjour. Salut. Ça va? Ensuite, le garni Saint-Lazare. 12 kg de bulot. 6 kg de moule d'Espagne. Pavillon de la Grande Cascade. Avant de rejoindre le grand marché, Pascal et Sacha, nos deux acheteurs, vérifient une dernière fois les commandes et l'état de leur avancée. Du couteau, t'en as ? Ouais. Une autre nuit s'annonce. Sacha ? J'arrive. C'est bon ? Ouais. Allez, let's go.
ce que tu as vu pour les braises. Je le vois ce matin, Gino. C'est comme il est, lui. Il fait 36 choses à la fois. Non, enfin, qu'ils nous mettent pas dans la galère non plus. Logiquement, on devrait avoir les quantités. On va les avoir ce matin, les quantités. Ouais. De toute façon, là, Richard, il m'a commandé 8 bars. Bon, alors, d'accord, 8 bars. Ça va facilement se transformer en 12 bars. C'est clair. Donc, j'espère que Laurent, il va en avoir au moins 3 dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis 3 le lendemain, quoi. C'est la mission, là. Ouais. Ce que j'aime la nuit, moi, c'est cette sensation de calme, en fait, qui cache une énorme activité. Parce que, bon, bah, quand on va au hall, on roule sur les périphes, on va sur l'autoroute, bon, bah, il n'y a pas grand monde, en fait. Il y a 2-3 voitures. Et puis, quand on arrive au hall, déjà, il y a de la lumière un petit peu partout. Plus on s'approche du pavillon du poisson, puisque c'est le premier qui est ouvert, bah, plus il y a d'activité. Et une fois qu'on rentre à l'intérieur de ce pavillon-là, là, vraiment, on s'aperçoit que c'est comme une fourmilière, quoi. Les gens, ils courent un petit peu dans tous les sens. Oh, je sais que ça a augmenté par rapport à hier. 29, si tu veux, tiens, tu vois. Encore, pas un petit peu. Non, Pascal, non. C'est très différent, en fait. Le travail de nuit, le travail de jour, c'est très différent. Et les relations sont beaucoup plus franches. Non, mais je sais. Avec les fournisseurs, les relations sont beaucoup plus franches, plus sincères. C'est vrai qu'on ne tourne pas autour du pot. Là, je vois bien que c'est raide. C'est l'or, regarde ça. Bon, écoute. Allez, on va les peser. 3,5 kg presque. 120, 50 centimes. Encore 50 centimes. Juste 50 centimes. Ah, pour si. Le plaisir. Allez, allez. 28,5. Allez, c'est bon. Dis-moi, ta commande de bar, combien t'en fallait déjà? 8. 8 pièces? Oui. Ça va être chaud. Ouais. Parce que là, ils annoncent un petit coup de mauvais temps. Là. Donc là, il y a deux pêcheurs que j'ai mis sur le coup, mais ça va être très chaud. Bon, si je comprends bien, tu me mets déjà la pression. Quoi. Bah, je te fais pas peur, mais sois pas serein non plus. Hein. Mais je vais faire un maximum pour toi. T'as 9,5 kg, deux pièces, en turbo, pour aujourd'hui. Ouais. Et le prix bien. Tu vas pas me faire une hausse par rapport à hier quand même. Si, très grosse. Bah, c'est la taille au-dessus déjà. Aujourd'hui, ça vaut 28 presque. On va faire un effort par rapport à hier. Je fais pas hier, je t'ai fait plaisir hier. Ouais, ouais, non, mais fais un effort par rapport à ça. Ouais, je pourrais pas danser. Un euro, c'est beaucoup. Ouais, moi je gagne pas beaucoup d'argent. Ouais, mais pour eux aussi, je travaille pour le plaisir de la qualité. Hein. C'est après. Non, mais tu travailles aussi pour l'argent quand même. Un petit peu. Mais tes bars, je vais me débrouiller, tu les auras. C'est bien pour toi, je remuerai si elle était. Non, mais de toute façon, j'ai toujours un. Ce qui nous concerne, c'est si elle une sortie de secours, mais ouais. Je préfère les faire. Non, avoir, être sûr d'avoir la qualité. C'est le maximum. De toute façon, tu le sauras vendredi matin. 8 pièces. Et hier, tu m'as dit 10 pièces. Hein. Ouais, demain, il ne va pas dire que tu en veux 6. Hein. Non, non, mais je peux en vouloir 12. Et moi, je t'en prévois 12. Je t'en prévois 12, comme ça, tu m'en achètes 12. Non, non, mais prévois-moi, ils ont 8 déjà minimum. Et c'est pour qui? Ah, ben c'est pour la cascade. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une communion? Non, c'est pour le prix de l'Arc de Triomphe. Ah, voilà. Et en plus, ils ont fait le menu. On a fait le menu vendredi, on en a parlé. Mmh. On a proposé du bar parce que moi je pensais que ça serait plus facile. T'es pas bloqué en prix ici? Faut pas trop abuser quoi. Et... La sardine, là. Oui. Pour la liquider ce matin. Hein? Donc le contrôle du service vétérinaire, bien sûr, c'est donc un contrôle qui se fait donc sur la qualité du produit et aussi sur la traçabilité. Voilà, dans le cadre, bon, alors, d'une inspection, là, franchement, on a un beau produit. On a un poisson, ce qu'on appelle un poisson plat, qui a une très belle rigidité, hein, poisson frais. On a fait une prise de température, il est à 0 degré. Si le produit n'a pas été vendu dans la nuit, on va parler dans ces cas-là de resserre, donc faut vraiment faire attention, il faut bien le glacer, parce que c'est un produit qu'on va retrouver le lendemain sur le marché. Et si on n'a pas ce respect de la chaîne du froid, bon, on va avoir un produit qui va s'altérer.
Alors là, on n'a pas une qualité exceptionnelle. On regarde, c'est vrai, on regarde la rigidité. Bon, là, il y a un léger apaissement, je dirais. On regarde aussi le mucus. Hein. Essayer d'avoir un mucus le plus translucide possible. Plus le poisson va aller en s'avançant, je dirais, en vieillissant, donc ce fameux mucus va devenir jaunâtre. C'est un signe classique d'altération. Et la tentation est forte pour certains de laver le poisson pour faire disparaître ce fameux mucus. Et après, j'irai de le reglacer pour essayer de lui redonner une certaine fraîcheur. Ça, c'est pour la qualité de fraude. La glace sur les pesées, mais ça, on va s'en occuper. En fait, on n'arrive pas. En même temps qu'on rentre la cam, on n'a pas le temps d'aller à la glace. Donc, dès qu'on a fini de rentrer la cam, on prépare les commandes. Après, on va chercher la glace et on glace. Bon, donc ça, on arrive à le faire, mais les deux en même temps, non. Non, mais c'est normal, hein. Vous installez d'abord le poste et puis après vous allez vous tout à fait. Chercher la glace, quoi. C'est normal. Qu'est-ce qu'on avait? C'était tout, je crois. Il n'y avait pas. Je sais pas, après il y a quelques. Si la zone non conforme, bon. La quoi là? La zone de non conformité, au cas où, si jamais il y avait un problème au niveau d'un produit. Donc il faut définir dans votre chambre froide, je dirais pour vous, un endroit là, une zone de produit non conforme. Si jamais il y avait un problème. Oui, ça vous arrive rarement, mais... Ça m'est jamais arrivé. Bon, hein. Ça vous arrive jamais. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai pas dit que ça allait jamais m'arriver. Non, ça non, ne m'est jamais vrai. Arrivé. Et puis sinon... Ouais. Bonjour. Non, c'était ça. Et puis au vestiaire, je crois qu'il y avait deux petites choses au vestiaire. Ah, il y en a qui ont oublié une chaussure. Ouais. Ça doit être la fin de ménage. Ah, mon Dieu. Et puis un peu de poussière. C'est, ça, c'est aussi la fin de ménage. Et bien justement, il faut lui dire. Bon, là, c'est bon. Okay, merci, vas-y. Bon, bonne continuation. Bonne chance, au revoir. La volaille, ouais, c'est ça fourmille, ça bouge dans tous les sens. Et où c'est que je mets mes colis de gibier là? À partir de l'heure d'ouverture, surtout par exemple à la période des fêtes, là il faut faire très très vite. Si on avait autant de produits à acheter en volaille qu'on achète en poisson, on mettrait 10 fois plus de temps. Quoi. Comme a dit Sacha, c'est un peu le bordel quoi, la volaille. Un colis de suprême de volaille fermière. Ah non, même pas de fermière. Un colis de suprême de volaille normal, pardon. Ah, c'est pour le personnel. Oui, c'est pour le personnel, c'est pour le Bellagio. Garnier, y'a rien. Galopin, y'a rien. Galopin, y'a rien. Voilà ma poule. Bien. Bon, la Bresse, comme ça vient. Parce que si ça vient que t'es à droite ou à gauche, tu te mets quoi? Des poulettes? Tu veux des coques? Volaille. C'est ça. Tu veux, tu veux. Oui, moi, je veux un volaille de Bresse, qu'est-ce que tu veux comme genre? Des poids, des. Qu'est-ce qu'il veut comme produit? Fais voir. Bon, ça marche, là? Ouais. Ça bosse bien, là? Ouais. Si, c'est pas mauvais, non, on est en progression. Non, ça se passe pas trop mal. Mais le métier est fait différemment, donc il y a un peu le souci. On se pose un peu des questions avec l'histoire de la grippe aviaire, mais ouais. ça n'a aucune incidence. Pour l'instant? Non. Non, ça passe. Il y a des groupes, il y a des vrais contrôles? Oui, non, mais ça, c'est là, oui, bien sûr. Au niveau sécurité alimentaire, logiquement, ils ont fait de plus en plus des précautions pour pas que ça se passe comme ça s'est passé à la viande. Hein. Ils sont déjà, je sais pas si tu suis un peu le. Si, le boulot, tout est mis en avant. Non, tout ça, ils ont pris les devants, là. Il y a pas de problème de ce côté-là. On va voir, là, pour le prix, là, le triomphe, là, je vais te dire ça exactement. Ah, c'est un nouveau client, là, de triomphe? Non, c'est la cascade, tu sais, qu'on organise. Ah, d'accord, ouais, je savais pas ça, d'accord. Donc, on va voir ça tranquillement, je vais aller voir le chef ce matin, et je vais lui demander les quantités exactes, sinon on parle longuement, alors. Combien je vous dois? Gino. A plus, demain matin. Ok. Bon courage. A plus. Salut. Ah,
J'ai vu Laurent là, pour les bars. Alors bon, apparemment, c'est pas sûr qu'il ait des quantités pour la fin de semaine. Ah bon? Non. Et si au dernier moment, on n'a pas, je pense qu'on arrivera à trouver ailleurs. Mais c'est quand même, c'est pas trop rassurant. Oh, logiquement, on devrait les trouver. Disons qu'on va se rassurer comme ça. Ouais, et on va avoir la carte. Non mais attends, qu'est-ce que tu veux mettre là? C'est bon, ta station elle passe pas. Attends, mais moi j'ai une cassette dans la voiture, je prends de ma cassette. C'est quoi comme cassette? Une cassette, bonne cassette. C'est fini les cassettes. Rock'n'roll. Ça se vend plus. On les donne maintenant les cassettes. Ouais, ouais. Je suis encore à l'âge de la pierre moi. Voilà. De la nuit, un appartement en banlieue parisienne. Maria se lève et se prépare. Il est temps de partir pour rejoindre Rungis, où elle travaille à la vente de viande découpée. Depuis 4 mois, elle y parfait son apprentissage. C'est la seule femme à ce poste dans un univers d'hommes. Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Sur la bouche. Hein. Salut. Ouais, je lui sers la paluche parce que... Alors ? J'ai un claquage avec un hématome interne. Cochonnerie. Donc, une déchirure avec un hématome interne. Donc ça, j'ai trop fait. Oh ? Non, mais demain, c'est bon. Mais genre... Ah, j'aurais pu béquiller, j'en sais rien. Ouh, la vache. 79 049. J'en ai deux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 cartons. Ça marche? Oui. Ok. T'avais vu le prix hier avec Pascal ou pas? Non, j'ai parlé du bourguignon. Bien sûr que si t'as pris le prix, il me l'a dit. Non, il m'a dit le prix ce matin, mais attends, j'ai dit, attends, on va marier le bourguignon puis les colliers de bœuf. Vous allez marier? On va faire des petits? Sinon, les colliers de bœuf, c'est plus cher. Et on en fait à qui? Muller, tout. Muller. 28, 54, 01. Avec Ameka? D'accord. Non, parce qu'avec vos histoires de Muller, même. Ouais, non, d'accord.
Je savais pas, moi, l'autre fois, Philippe, qui m'a engueulé dans l'allée, hein, faut pas croire. Il était pas content, hein, le père Philippe. Mais parce que t'es une gonzesse que j'ai rien mais dire. Mais la gonzesse, ça n'a rien à voir, c'est parce que j'étais jamais passée par Müller là-haut, moi. Quand il m'a passé dans mes bras, toi. Müller, marqué jusqu'à la fin de tes jours. Combien t'as dit, hein? Parfois, c'est des promesses, parfois, c'est des menaces. T'aurais dû mettre une piècette de plus là-dessus, hein. D'accord, ok. C'est bon, ça va les enfants? Ouais, je les réveille, on arrive. Ok, bon, moi je te laisse alors. Des bisous, à tout à l'heure. Bisous, ciao. Bon, c'est bon, ils ont édité le menu. Volaille de Bresse, pavé de bar, chair de tourteau. Jean-Yves? Maison Péan? Allô? Bonjour, c'est Pascal. Tu vas bien? Dis-moi, vous en êtes où dans les bars là pour nous? Parce que là le menu il est édité là. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais de toute façon c'est comme si c'est pas du turbo qu'ils ont mis à la carte. Tu comprends? Quels sont les états de la mer et tient-elle ses promesses? Pour Pascal et Sacha, nos deux acheteurs, la marée se doit d'être à l'heure ponctuelle. Ouais, au pire des cas. Bon bah ils ont un petit peu de bar. Ouais. Bon, on va voir ça. Ils ont pas tout. C'est cliché, il ne stresse pas. C'est vrai que c'est pas lui qui fait le boulot. Ah là là. Je pense à l'autre, là, avec ses pêches blanches. Oui, des pêches blanches, j'en ai vu partout. Le problème, c'est qu'ils savent tout. Ils restent couchés, ils dorment la nuit, toi tu vas bosser au hall, et ils savent mieux que toi. Bien sûr. Bah, c'est le problème de la France, hein. C'est que tout le monde sait mieux que tout le monde. Alors, je vais mettre de la musique douce. Mais non, mais enlève ça. Là, c'est B.I.G. là. Non, attends-moi. Ça défonce, ça. Mais ta station, elle est tellement pourrie qu'on capte pas. Y'a personne qui l'écoute. Ouais. Arrête. La viande, c'est quoi qu'il arrive, un univers de mec, hein. C'est un univers de mec et de bonhomme, quoi. Faut pas... C'est un pavillon qui a été refait il y a pas longtemps, et c'est vrai que cette impression de propreté, elle est très marquée, quoi. Il y a rien qui est au sol, enfin tout est linéaire, quoi. C'est un puzzle, quoi, c'est quadrillé, quoi. C'est l'impression que ça donne tout de suite, quoi. Cette ambiance, c'est un peu glacial en plus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Qui c'est que j'ai au téléphone pour les épaules? Pour Galopin de Suresne. Parce qu'il y a des bouchers, enfin des messieurs qui l'achètent en morceaux. Parce qu'ils ont peut-être pas. Ils peuvent peut-être pas la couper eux. Donc du coup ils achètent. Ou alors ils achètent que des morceaux, ils achètent que le bas ou que le haut. D'accord? Encore 5 à venir.
Est-ce que tu connais la viande un petit peu? Qu'est-ce que tu manges comme viande chez toi? Qu'est-ce que tu manges comme morceau de viande que tu connais? Bah, moi, je connais le bœuf et le cochon. Ah, bah, c'est bien. Tu viens de bonjour? Tu les reconnais, le bœuf et le cochon, quand tu manges dans une assiette, comme on le dise? Tu connais pas bien? Non. Tu veux que je te montre un morceau de bœuf? Un gros morceau de bœuf entier? Avec les os tout dessus? Vous voulez qu'on regarde tous les deux? Hein? Vous venez? On va regarder ça. Le morceau de bœuf, après? Il aurait dû un petit morceau. Il va chez le boucher. Oui, il va chez le boucher. Le boucher. Et puis le boucher, il enlève tous les os. D'accord? Et puis, il va vendre aux mamans. Elle va demander un morceau d'entrecôte. Alors, l'entrecôte, c'est ici. C'est ce morceau-là. Ou alors, on fait des côtes de bœuf aussi avec ce morceau-là. Ça veut dire qu'on laisse l'os. Ah oui, j'adore les côtes de bœuf. Et on coupe ça comme ça en côtes de bœuf. Après, maman, on peut acheter aussi du faux filet. Le morceau de faux filet, il se trouve ici. Tout ça, c'est le faux filet. Bien sûr, il faut enlever le gras, il faut enlever la peau, il faut enlever les os. Et quand tout est bien épluché, tout ce morceau de viande-là qui se trouve ici, c'est le faux filet. Ça, c'est de la bavette d'aloyau, ça. Tout ce morceau-là, épluché, parce qu'il y a des morceaux un petit peu plus durs, on les enlève. Bien épluché, tout ça, c'est de la bavette d'aloyau. Et ce qui est en haut, c'est le cœur? Là? Oui. Hein? C'est le cœur? Non. Le cœur de du bœuf? Oui. Non, mais il est enlevé déjà, le cœur. Il n'y a plus de cœur. Non, ça s'appelle... Ce morceau-là, ça s'appelle l'araignée. Alors, on n'en trouve plus beaucoup maintenant chez les bouchers, parce que... Parce que les gens mangent plus, parce que c'est difficile à travailler, il y a beaucoup de petits nerfs, il faut les enlever. Mais sinon, c'est un morceau qui est délicieux, ce morceau-là, l'araignée. Autrefois, les gens en mangeaient beaucoup. Vous venez ? Ben non, hein. Je commence à avoir froid. Bon courage. Encore heureux, j'ai acheté des pneus de pluie. Ouais. Les quatre, c'est des pneus de pluie. C'est important d'avoir des beaux pneus. On va s'arrêter là parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ici, vous êtes, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, la viande ici, principalement, elle est française, mais on trouve de l'étrangère, bien sûr. Ce poste IP Viande est spécial, il fait de la viande de Bavière, vers Munich. Vous pouvez regarder, en fait, la différence de couleur qu'il y a entre la viande à droite, a priori française, mais la couleur de cette viande, et celle-ci. Celle-ci est un peu plus orangée. Pourquoi? Parce qu'en France, on oblige les producteurs à ce qu'on appelle émousser la viande à chaud avec un ciseau électrique. On enlève la graisse. C'est obligatoire en France. Et en Allemagne, ils veulent pas. Donc, ça donne un goût à la cuisson. Cette viande, elle est un peu persillée. Elle est très goûteuse, très bonne. Et on retrouve cette viande dans de nombreux restaurants d'une certaine catégorie dans la région parisienne, voire ailleurs, bien sûr. Parce que c'est une très très bonne viande. Oh les belles vaches. Regarde, ils font une maison. Oh là là, super. Des mannequins là-bas. Des mannequins. Et là, il n'y a que de la cimentale. Il n'y a vraiment que ça. Il y a une blanche là-bas, je ne sais même pas. Si, ça va être aussi une cimentale. Ouais, bon, et une albinos. Josef Hauser, das ist Maria Carvalho. Bonjour. Ja, bonjour. Bonjour. Und Benoît de Rasch. Benoît de Rasch, das ist ein Meister. Ja. Er zerlegt heute für dich und er ist auch verkauft.
vache. Oups. Denis. Denis, si je peux prendre des photos, monsieur. Tu vas leur faire une démonstration. Regarder un petit peu comment tu travailles. Schneiden. C'est pas dans la séparation naturelle du dessus de palette. Sie müssen schneiden in dieser naturelle frischen Fleisch. Il faudrait qu'il enlève un, mais doucement, qu'il aille pas trop vite. Ouais, parce que ça, ça se fait à la chaîne alors. Tout doucement. Doucement. Non. Doucement. C'est ça légèrement. Là. Et là. Là. Comme ça. Faut que ça reste comme ça. Das muss so bleiben. Wie diese bleiben. So muss so passen. Ja. Weil für uns das Stück ist ein spezielles Stück. Das kostet viel Geld in Frankreich. Alors là, faut leur dire qu'ils regardent tous pour le dessus de palette. Hein? Parce que ce morceau-là, pour le merlan, qu'ils regardent tous. Parce que le merlan, tout à l'heure, il est resté sur la boule. Il sépare là, directement. On a la surprise, ouais, le merlan, il n'y a pas de nom chez eux. Et là, on a un morceau à steak haché. Surprise, merlan. Quand ce sauber a mis on dit un steak pour hackfleisch. Un morceau qui doit être resté, qui doit être comme ça. Ouais, il doit rester comme ça. Alors, ça s'appelle comment? Maman. Mais il faut écouter. Schulterplatte. Schulterplatte. Le dessus de palette. Le match normal, Tu fasses comme d'habitude. Wie du bist gewöhnt, hein? C'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. Attention ça. Attention. D'accord. Là. Enfin bon, Benoît, lorsque Stéphane était venu, il n'avait pas préparé ça exactement comme ça. Il avait laissé, si tu veux, quand même plus de... Il avait laissé le premier talon derrière. Ouais, le premier talon derrière. Alors c'est un choix. C'est un choix. Moi, je préférerais qu'il l'enlève. Non, mais d'accord, mais c'est ce que je dis à Maria. Premier talon enlevé comme ça, ça vaut un prix. Hein. Il ne faut pas les donner sur le marché. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai du mal à les vendre parce qu'elles ont fait comme elles sont. C'est le premier talon, c'est pour ça qu'on ne les vend pas, Denis. C'est pour ça qu'il y en a des palettes. Le premier talon, il y est. Parce qu'on, moi, je serais pour enlever le premier talon et qu'ils coupent là plus court aussi. Hein. Qu'ils coupent les baguettes. Les mecs, les baguettes, ce qu'ils en font, c'est du bourguignon. Alors donc, pour toi, il faut que tu sois traité exactement comme ça. À la limite, qu'ils nous l'envoient comme ça, mais il faut que ça arrive chez nous, carré. Ja, das muss nicht so kommen. Das geht nicht für die Kunden. Die Wettbeutel müssen karré sein. Ja, dreckig. Ja, ja. Okay. Okay. Bon, doucement. Ils ont compris que c'est le dessus de palette le problème. Faut
journée. Ils n'ont pas l'habitude. Ils le lèvent comme ça directement. Non, mais c'est important de leur montrer de toute façon. Hein. Je veux que je tienne ? Non, c'est bon, Denis, merci. Moi, je trouve que comme ça, c'est parfait. Hein. Moi, un faux filet pas présenté comme ça, pour moi, c'est nickel. C'est bon. Hein, y a rien à dire. This is the perfect type. Idéal. Hein? Idéal. Idéal. Hein? Il faut, je crois, là. Bon. Bravo. Maria, pour Pascal. Ah ouais, je vais mettre pour Pascal. Salut Pascal. Mirabelle, c'est... Mirabelle, c'est rad. Pose ça par terre. Ouais. Le muscat, c'est rad aussi. C'est rad. Avec le topinambour, la couette. Tiens, Normand Garnier. Cascade. Je suis sûr, mais j'entends. Samir, t'as des poulets vrais, ça? Qu'est-ce qu'on fait ici, là, c'est tout ça? Oui, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Attention, quoi. Laurent? Monsieur Laurent, non, c'est pas Laurent, ici, c'est ça? Bonjour. Vous avez du braise chez vous? Du braise? Bah, oui, je pense que... Vous avez du braise, les gars, dans le coin? Les marchands de braise, s'il vous plaît. Y a-t-il du braise? Oui, il y en a du braise. Bonjour. Ref, du moins. T'habites où? Là-bas, devant. Bonjour. Ça va bien? T'as un peu de braise à vendre? Les petits ou les gros? Bah, des plus gros. T'en as beaucoup, t'en as d'autres ou... Deux colis. Hein. Deux colis? Quoi, tu me penses? Ouais, on va le faire. 16-07 et puis 16 deux fois. T'es sûr que c'est pour la date, non? Allez. On va aller? Tu commences par là? Non, ça va bon. Allez, c'est parti. Salut, Fifi! Vous avez quelque chose? Alors, on y va? Allez, hop. En voiture, yalla, yalla! Bon, Sacha, les vraies. Oui, alors vas-y. C'est Clarie, la misère, elle est pas chez nous. Ah, ben voilà! Voilà. C'est un peu qu'un pour un autre triomphe. Hein? Bon, bah écoute, voilà, c'est ce qu'il y a de plus frais, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, bah c'est impeccable. Parce que le marché a besoin, si t'as besoin de plus, il faudra voir un petit peu décalé demain, parce que là on est un peu embêté là. Ok. On est un peu court, ok? Très très bien. Bon, bah, voilà. On va te mettre ça là. C'est super. T'as fait ce qu'il fallait. C'est nickel. C'est bien, dis-nous. Merci. Ah oui, bah c'est à toi ça. Oui. C'est déjà à toi ça. Ah bon.
Merci mon gars. Ah, la tienne, tienne, ah, la tienne, mon vieux. Sans ces antipas, nous serions tous des frères. Ah, la tienne, tienne, ah, la tienne, mon vieux. Sans ces antipas, nous serions tous heureux. Oh, il y a un bruit là-dedans. On peut en dire que les filles, c'est pipelette, mais là, les garçons, pas mieux, hein. C'est bavard, hein. Il y a par rapport à quand je suis arrivée, maintenant je peux passer n'importe où, on ne se retourne plus. Par rapport à quand je suis arrivée, tu te rappelles la première fois on avait été à la Loyau, tout le monde s'est retourné sur nous quand on est arrivé. Maintenant c'est bon, il n'y a plus ce type de choses. C'est le cadeau dont je rêve, qu'il est ton regard quand tu te lèves. Un brin de gamin. Tu sais comme vous savez, c'est à New York dans les rues. Un truc bien chez vous. Ça, c'est un morceau qu'on a. Ça, c'est sur le premier disque qu'on a fait. Je vais essayer de te faire écouter. Let's make like stone blue. Simply like chicken flying scoop. Let's make like rock and roll. We'll do my baby to a ball. I've been there a long time. Turn to me and then she say, let's go to the music. Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Pour Pascal et Sacha, nos deux acheteurs, il faut conclure la chasse aux produits pour le prestigieux repas du prix de l'Arc de Triomphe, temps fort de la saison des meilleurs galopeurs du moment. Plus de marge d'erreur, il faut lever les barres sans oublier la ronde des desserts. Didier, mandataire au pavillon des fruits et légumes, sera les conseillers. Justement, il revient d'une cueillette dans les vergers nantais et y a remarqué un fruit d'exception. Mon père avait un magasin de fruits et légumes. Et lui, lui, tous les soirs, il faisait ses achats à Rungis. Et avant que Rungis existe, il allait à Paris. Salut Daniel. C'était un petit peu plus épique, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il achetait le raisin avec des lampes électriques, tu sais.
pour regarder si le raisin était bien nickel. Il sortait la grappe et puis à la lampe. C'est comme ça que j'ai appris. Au départ, j'ai commencé avec mon père. Et bon, ben, en fait, il m'a appris à l'ancienne, quoi. Alors, mon père me faisait pas de cadeaux. Ça, c'était clair. C'est-à-dire que si je me plantais dans les prix ou si je me plantais sur la qualité de la marchandise, j'avais le droit à ramener la marchandise. Quand Sacha a commencé avec moi, je lui ai appris pareil. Georges, faudra lui dire quand il va passer tout à l'heure pour le chasse-là. C'est Martinet, les barquettes sont trop chargées, ça va pas. C'est tassé dans les barquettes, ça fait vraiment pas beau. Ça va, petit Bastien ? Ah, il sort. Salut, Sacha. Tu vas bien ? Ça, marteau. Pour. Hein ? Qu'est-ce que tu cherches de beau, Pascal ? Alors, fraises des bois, framboises ? Oui. Mara. Hein ? J'ai connu Didier comme. Fraises des bois. Chez Paris Select, ça fait. Ça doit faire 20 ans maintenant qu'on se connaît. Donc, c'est pareil, j'ai vu Didier évoluer, commencer. Parce qu'il n'a pas toujours eu la place qu'il a. Il a commencé au bas de l'échelle, donc je l'ai vu démarrer comme lui m'a vu démarrer. Et ça fait que. Ben, on a des liens quand même assez forts. C'est automatique. Et je pense que Didier fait partie des fournisseurs avec lequel j'ai peut-être le plus de liens, parce que c'est une personne qui est très sincère, carrée. Quand j'ai besoin de quelque chose, même s'il n'en a pas beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup de quantité, j'ai toujours le produit. Et comme il fait partie des personnes qui ont des produits que les autres n'ont pas, donc c'est très important. Autre chose, mon petit Bastial ? Du cèpe, j'ai dit à Guénaud. Ça va arriver tout à l'heure, parce que ce que j'ai rentré là, ça va pas pour toi. Je vais avoir quelque chose de top tout à l'heure. Ouais, je sais, j'ai dit. Donc, c'est vous. Bah, écoute, de toute façon, à quelle heure qu'il arrive ? Il devrait pas tarder. Hein. Quelle heure il est là ? Bon, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, vers 5h30. Tu peux me faire un coup de fil ? Ouais, je t'appelle dès. Comme ça, si il m'en faut plus, je veux voir comment ils sont, et je t'en fais plus. Ça marche. Hein ? Ok, Bastial. Merci. À tout à l'heure, bon courage. Tu veux aux salades ? Tu le tues. Ok. Je te les mets de tout côté en bas et je les fais monter ou quoi? Comment je fais? Oh, tu les mets de côté, t'inquiète pas, je vais les faire monter. Bon. Et je donnerai le détail à. D'accord. Tous les produits qu'on achète, que ce soit la volaille, le poisson et même les fleurs, c'est un rapport déjà avec l'œil au départ. Il faut que ça tape à l'œil. Déjà, moi, je me mets un petit peu dans la peau de la ménagère et je me dis, bon, par exemple, si je vois ça sur un marché, sans faire attention au prix, est-ce que je l'achète? La salade, bon, c'est simple, il faut avoir l'impression qu'elle vient d'être cueillie. Puis après, bon, bah, pour les fruits et légumes, il y a le toucher et puis il y a le goût. Voilà, ça, le goût, ça, c'est imparable. Le melon. Tiens, le melon. Avec ta messagerie à la con, toi, hier. Arrête pas de te téléphoner. La boîte vocale est pleine. Rien aujourd'hui, demain. D'accord. Comment ils faisaient, nos parents, pour travailler? Ils travaillaient d'une messagerie? Non, non. Pas de messagerie, mais au moins, ils répondaient quand on les appelait. Ça, c'est ce qui faisait la différence entre nos parents et toi. Je vais prendre mon nom avant les vieux. Ah non, je vais prendre mon nom, il n'y a pas de téléphone portable. Mais si, ils ont mangé un peu de melon, parce que s'ils n'ont pas dedans, ça va bien, les melons. Tu fais pas les mangues, alors, hein? Moi, j'adore la nourriture, j'adore aller au restaurant, j'adore... goûter, manger, donc bah, c'est un plaisir, quoi. Hein. La poivrade, tu fais? C'est une raide. D'accord. Un produit peut être beau comme ça à l'œil, et quand vous le goûtez, bon, bah, ça c'est pas terrible, quoi. Bon. Ça va comme tu veux, Naguib? Ouais, toi. Ouais, gentiment, hein. Faut pas dire que ça soit... J'ai demandé si c'était lui qui t'avait appris à fourrer ou t'avais appris à fourrer tout seul, parce que là, la framboise que tu m'as mis, là, encore... Bon. Ça te va pas ce que ça dit? Très bien, Didier, ça bah, je les ai engueulés, mais. Mais encore aujourd'hui... rapide. Non, mais aujourd'hui elle est pas mal. Non, je l'ai vu, j'étais là-bas, je me ça te va pas. Maintenant, ça me sent pas, ça me noircit direct, on va partir. Tu veux pas faire de la thylamine, toi?
Bah, ça dépend comment elle est. Ça vaut cher, mais par contre, c'est splendide. C'est beau, hein? Ouais, comme tout le temps. Oui. Et ça vaut quoi? Vente de vin, je te mettrai deux pour toi. Ah bah, goûte ça, c'est du vrai bonbon par rapport aux autres. Elle est sucrée? Ouais. Vraiment sucrée? Ah, goûte. Je peux pas goûter, tu peux pas. Non, je t'assure que c'est super bon. Honnêtement, ouais. Nagui. J'en ai cuit colis. Ouais, bah vas-y, tu me le mets. Hein? Je te mets ça à la place de l'autre? Ouais, ça marche. Et figues en très grosse, t'en as pas besoin aujourd'hui? Non. Non, Didier. Ça marche, mon petit pote. C'est tout ce que t'as à vendre ce matin? Y'a pas d'autre à faire? Clémentine, j'ai fait tout à l'heure à Alit. Ouais. Là, j'ai pas le temps, mais tout à l'heure, on boit un petit café. Ça marche. Ouais. Didier! C'est le ramadan. Oh, t'as vraiment pour le cul. Hein. Mais si tu veux me donner un euro 10, je veux bien les prendre. Mais champignons, t'as pas. Champignons, ce matin. Même le gros, le petit, rien. Je me suis fâché avec celui qui mettait les. Oh non, parce que là, il plus de petits, là. T'as vu comment c'était beau, ça? Oh, c'était magnifique. Voilà. Mieux que ça, c'est. Il m'a mis des champignons, de cèpe. Ah, il n'en avait pas, du coup, il n'y avait pas, il m'a donné des petits. Des... Vous avez pas du roumain? Directement du roumain? Non, 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 français. Oui, c'est le magnifique. Je ne fais pas. C'est beau, c'était. Non, hier, il n'est pas livré, ils viennent de me livrer que ce matin. Attendez, moi, si vous me faites venir les marchandises le jour où moi, il n'y a pas de départ, je ne vais pas prendre le risque de faire venir la marchandise. Hein? Tu penses au mariage, hein? Mec, je veux bien vous prendre la marchandise, mais je veux bien que ça soit le jour où elle va partir. Je ne peux quand même pas stocker pour eux. Les Bédouine, ils sont ici sur le marché. Dites-moi pourquoi vous me faites livrer le mercredi chez moi quand ça va partir le jeudi fin de matinée. Ils ne peuvent pas livrer le jeudi, eux. Non, on va faire un petit jeu. Ah non, non, ça sera. Il rentre avec lui, messieurs. Non, non, il fait que j'ai fait un petit plaisir avec le champignon, il peut pas faire autrement. J'ai compris, Didier. Merci, Emile. Il paye le premier coup, le deuxième coup, le troisième, après, boum, boum, il a attiré le client. T'as vu comment il t'a attiré? Il dit, viens, viens, Emile. Je m'en fous, c'est d'argent, ma femme. Il faut que j'y aille là. Avant de partir, tu viens voir, j'ai deux, trois trucs que je sais faire. J'ai mis le camion là-bas. Bon, merci Emile. Regardez les calibres. Bonjour. Vous l'avez acheté? Vous avez acheté cette marchandise? Oui. On va faire un contrôle de calibre sur les produits. C'est du. La répression des fraudes. Bonjour madame. Vous avez vérifié les noix, le calibre des noix? On n'a pas votre matériel. Ah, mais il faut l'acheter. Ah, oui. Vous voyez, c'est pas beau. Pourtant, monsieur Bernard, il a tout ce qu'il faut, normalement. Eh ben, il l'a pas fait, alors. Il est là, non? Appelez-le, appelez-le. C'est pas vrai. Deux. C'est pas temps. J'ai ça. Bon, ben, on va les compter. Et puis voilà. On va les mettre où? Tiens, là-dedans, dans un machin comme ça. 70. 70. 72. 74. 76. 18. 80. On va faire un sondage. On va prendre 100 noix et on va regarder les noix qui sont pas conformes. Parce que le producteur annonce un calibre de plus 34 et on s'aperçoit que les fruits ne présentent pas le calibre annoncé, donc c'est une tromperie. Allez. C'est bon? C'est bon. Donc là, on va les calibrer et on va compter le nombre de fruits qui ne correspond pas au calibre annoncé sur l'étiquette. Celle-là est bonne. Vous n'aviez pas vérifié? On le fait une fois au début de campagne, ouais. Et puis après on pense que, tout va bien. Quoi. Ouais, bah oui. C'est un expéditeur avec qui vous travaillez régulièrement? Ah oui, avec qui on n'a jamais de problème. Hein. Quelqu'un qui est sérieux, qui travaille bien. Non, on n'a jamais de problème. Un accident de parcours. Oui, hein. C'est un accident de parcours. Hein. On a changé de conditionnement. Oui. 10, 12. Je pense que ça l'a un petit peu déstabilisé parce qu'avant il faisait les sacs, vous avez les sacs oui, en. Oui, mais quel est le problème? Alors ben, le problème c'est qu'on avait des souris, des problèmes comme ça. Donc non, on a fait faire ce conditionnement-là. Calibre, ça change rien. Ben, certainement qu'il a un triage différent. Donc,
Vous rectifiez l'étiquetage, là ? Vous mettez plus 32, et c'est bon. Ou alors ça, si vous voulez pas faire. Ça ici, là-dedans, tout petit coup, je te mettrai 17, et là, ici, je te mettrai 18. Ils sont pas verrous. C'est beau, ça. Tu peux pas me faire 17. 17. T'en as besoin de combien ? 2 ? Là, ce matin. Attends, il me faut même... Tiens, je t'en fais 4. Allez, vas-y. Tu en mets... Deux, là. Là, les deux, là, à la cascade. Oui. 2, 7, cascade. Et deux, là, au garni. Là. Pour la cascade. Les deux d'ici, s'il te plaît. Et deux, là. Et les deux ici, ça sera pour le garnier Saint-Lazare. OK. Tu contrôles bien sûr tous les délits, ça fait marquer français, hein, mais pour les 7. Hein. Si ça roule. Viens voir. J'ai ça ici. Attention. Ça là, en Rainette Robert. Ça, c'est une pomme, une vieille variété de pomme d'un petit producteur qu'on a à Nantes. Ça, c'est une petite pomme acidulée pour faire des tartes, c'est top des tops. On va vous montrer quand même la griffe de loup. Ah oui. C'est important. Bon, je sais pas, c'est... Ça là. Ouais, voilà. On l'a dénommée griffe de loup. On a fait une marque commerciale parce qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle fend de façon très prononcée au mois de mai. La fente s'effectue au mois de mai et la cicatrisation s'effectue donc en juin, juillet. La plaie se referme et ne laisse apparaître qu'une cicatrice, une griffe. C'est quoi comme en gustatif, c'est par rapport, admettons, à rubinette ou... Ça, c'est le même rang. Même rang. Ouais, ouais. Ça a un goût d'agrumes, hein, un peu, Jacques. Oui, un peu un goût d'agrumes, on va dire mandariné. Ouais. Hein. Quand on la travaille, on a un petit peu l'impression de toucher un peu de l'ancien. On la câline un peu, quoi. Mais c'est vrai que son toucher, on ressent un peu la... Un duvet, ouais. Je sais pas comment c'est. Les coussinets des chiens. Ouais. Elle est vraiment... moi, j'aime bien, quoi. Parce qu'on l'a ressorti un peu des oubliettes. Hein. C'était une variété complètement ignorée. Elle existait que dans les livres. Le seul moyen pour pouvoir accéder au calibre que vous désirez, c'est de réguler le nombre de fruits pour un nombre de feuilles données. Ouais. Donc un nombre de fruits par arbre. Pour donner un ordre d'idée, en général, il y a 2700 fleurs pour un arbre. Ouais. En réalité, donc, on le réduit de moitié par la taille d'hiver. On arrive à 1400 fleurs. Ouais. Je parle par arbre. Au mois de juin, quand on arrive à l'éclaircissage manuel, il en reste de l'ordre de 400 à 500 fruits dans l'arbre. Sur les 400 à 500, on en laisse 100. Des fois, on enlève entre 300 et 400 fruits par arbre, il en reste 100. Donc on parle de 2700 fleurs, on arrive à 100. Sur les 100 fruits qui restent, on va les voir sur l'arbre, on fait en général 3 plateaux, 3 plateaux de 75-80. Et sur les 3 plateaux de 75-80, il n'y a qu'un plateau de 80-85. De 75-80, mais rosé, par exemple, ou de coloré pour Paris Select. Donc de 2700 fleurs, on arrive à 24 fruits, c'est-à-dire 3% du potentiel théorique de départ. Quoi. Oh purée, c'est fou. Et c'est ça qui est... Et c'est tout notre travail, il est là. Tu vois, Sébastien, tu vois des colorés comme ça, comme en haut, là. Tu vois, c'est ça, c'est exceptionnel. On a l'impression que ça a été fait avec du bluff. Ouais, c'est qu'une opération manuelle. C'est pas du... C'est que du travail. Tu tournes les fruits un par un ? Ouais, voilà. Les couleurs, c'est... Ah ouais, c'est fabuleux. Entre le rouge des fruits et le vert des feuilles. De bas en haut. De façon délicate. Voilà. Ah, le geste est bon. Légèrement, alors on lève. Et quand ça veut pas. Tu mets ton index au niveau du pédoncule. Là, Sébastien, il va falloir qu'il vienne plus souvent, j'ai l'impression. Donc après, il y a... Et puis après, si tu veux, donc là, ce paloxéplein là, alors on le met sur l'autre.
À chaque fois, il faut le poser délicatement parce que c'est fragile quand même. En donc, plus, hein. C'est ça. Alors, sans faire tomber, on va les libérer. La larve, il est un petit peu à bout, quoi. Il a souffert de toute la sécheresse d'été. Et enfin, quelqu'un est là pour le libérer. Voilà. C'est un peu le plaisir de cueillir, quoi, de récolter un petit peu le fruit de son travail de l'année, quoi. Donc c'est très bien, je suis très très content de vous faire participer à la cueillette. Bon, c'est une des étapes de notre travail annuel, quoi. Donc tu vois, c'est toutes les variétés qu'on a cueillies aujourd'hui. Hein? Donc il y en a une quinzaine, il en reste une quinzaine encore sur le verger. Ah, ça c'est bon, ça. Il a commencé par le bas, quoi. Ouais, ça c'est bon. C'est fruité, il y a un peu d'acidité, ça c'est vraiment bon, ça. Hein? Ça, y a pas... voilà. C'est le genre de variété qu'on aime bien travailler. Ça c'est vraiment le genre de pomme que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que on regarde l'indice olfactométrique là, elle est forte. Hein? Oui. Ouais. Non mais moi je suis plus pour de l'acidité que du sucré, quoi. Donc, toi tu préfères ça, toi, grand Dieu? Je suis pas trop acide, moi. T'es plus sucré, toi. Mais c'est que du manuel, attention, c'est que de l'artisanat. Hein. Faut savoir, quand on trie par exemple de la comisse rosée pour vous, il y a 9 minutes travail verger et 6 minutes travail emballage. C'est-à-dire qu'un plateau de comisse rosée, c'est un quart d'heure de travail. Un quart d'heure de main. Un plateau, un quart d'heure. Tu sais, économiquement, ça a un coût. Mais c'est pas, tu sais, on gagne pas beaucoup dessus. Ah, comparativement à d'autres qui font un gros volume et avec. On gagne très peu. Absolument. Mais on en est conscient. Et c'est là où je dirais même, nous on défend tellement votre produit, parce que quand on vient ici et qu'on se rend compte et que vous nous expliquez toutes les démarches de la floraison pour arriver avec un colis, tu te dis, attends, vas-y, quand le gars il est en train de te marchander, il dit, attends, vas-y. Il y a pomme et pomme, il y a poire et poire. Aujourd'hui, si tu veux vraiment manger un produit d'une vraie qualité gustative, voilà, ça se mérite, ça, il y a un coût, t'as pas de produits qui sont marqués, t'as, tous les produits sont homogènes, t'as une belle coloration, t'as une qualité gustative, voilà, il y a un coût quand on voit le travail qui vous fait vivre. Voilà. Et tu sais qui tu fais vivre, voilà. Robert, c'est fait pour quoi? Les compotes, c'est pour quoi? C'est une pomme à manger au couteau, tu viens de le faire toi-même. Bon, tu me mets un euro. Mais non, mais ça va pas, toi, mais t'es pas bien ou quoi? Attends, en haut. Ils veulent la faire essayer, tu veux me la faire essayer ou pas? Mais non, c'est pas essayer, c'est donner, quoi, carrément. Bon, à 50, je t'en fais. Non, comme je t'ai dit. Non. Comme en fait, non, j'en fais pas, regarde-les. J'ai juste, tu vas le regretter. Non, j'en veux pas. Mais moi, comme je t'ai dit. Attends, tu m'en mets comme ça. Combien t'en veux? Pas beaucoup, c'est juste parce que tu me demandes de la vendre, je vais te la vendre, je vais essayer de la faire sortir. Combien t'en veux? On met 5 colis juste pour l'avoir. Pour l'avoir? Ouais. D'accord. D'accord. Et tu me diras merci? Bien sûr, je te dis merci. Merci d'avance. Merci. Ouais. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, on va passer. On va venir voir. Ciao. Pas mal, hein. Ouais, ça va mal, ils sont là. Tu me passes pas de commande, non, j'ai pas tout, hein. J'en ai reçu que 5 pièces dans le plus de 4. Il y a eu le coup de mauvais temps, j'en ai pas eu. J'ai pas plus. Bah déjà, je vais y avoir. Bien sûr, on va voir ça. Oh là là. Oh là là. Méga top. Méga top.
Mégatop de chez Mégatop. C'est la belle marchandise, ça, non? Ouais. Et puis pas ventreux, hein. Regarde. Vas-y, un peu. C'est pas du beau, c'est du top. Et je t'avais dit que je te ferais du top. Par contre, je suis réduit en quantité. Regarde celui-là. Regarde celui-là. Regarde. Regarde. T'as vu? Bien rond, pas ventreux, ni l'un ni l'autre. Nickel. Là, t'as la Rolls. Je t'en retrouve pour demain si je retrouve ou pas? Ah bah, ouais, bien sûr, c'est des puissants. Il te reprend encore. 3, 3 4, 3, 5. 3, 3, 3, 3. 3 pièces. 3, mais 3, de toute façon, c'est bon. Après, je me démerderai. S'il faut vraiment en trouver sur le tas. Tu veux des beaux anchois? Non, non. Non, mais c'est bon. Trouve-moi. Pourquoi? Moi, il me faut mes barres pour demain. Après. Après, je passerai un week-end, un très bon week-end. Si j'ai mes barres. Bah, quand j'aurai mes barres. À demain. Concombre ou violette? Concombre. Concombre, allez, c'est bon. Allez. Si ça sent le concombre, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si ça sent la violette, là, il vaut mieux le laisser sur l'étalage. Il faut mieux pas y toucher. Fais gaffe qu'on les meurtrisse pas. Bah, c'est la nature. Mais les souhaite la vie. C'est vrai, c'est top, ouais. Parfait. Tu as vu les yeux un peu comment ils sont? Un. Là, ils sont vivants. Là, celui-là. Bon, bah écoute, c'est bon. Ouais. On attend les gars et puis. Et après, c'est bon, hein, je crois. Allez, vas-y, on y va, les gars. Allez. Vendredi, c'est quand même un jour un peu particulier parce qu'il faut pas qu'on se loupe, il faut pas qu'on oublie des produits. Par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de champignons, de girolles sur le marché ou très peu de cèpes et qu'on sait qu'il n'y a pas d'arrivage le lendemain et que lui, il nous en demande, parce que quand il nous en demande, il nous demande quand même à peu près une dizaine de colis pour le week-end. Donc il faut pas se louper, quoi, parce que le lendemain, s'il n'y a pas d'arrivage, ben, il n'a pas de cèpes pour le week-end. Hein ? Et tu les as goûtées, celles-là? Non. Elles ont un goût de notre coco. Arrière-goût de notre coco. Je viens d'Espagne. Je suis Donc, toujours, on vérifie au dernier moment. Et le cas échéant, s'il manque vraiment quelque chose, ben, on repart. Bon, bah, c'est bon, on va chercher. Ok. Bonne journée. Richard. Ciao. À demain. Messieurs, bonne journée. Merci. On va commander des cafés là parce que quand même on n'a pas trop de temps à perdre. Il faut qu'on fasse rapidement le point de ce qu'on a besoin. Joël, est-ce que tu peux nous faire deux cafés s'il te plaît? Il faut les barres, les pommes de terre. Donc Rousseau il a pas de pompadour. Rousseau il a quoi en ce moment? Non, non, mais elles sont pas mûres, ces patates. Il est en train de les arracher, mais elles sont pas mûres. Les pompadours sont pas mûres, donc il n'y aura pas de pompadour chez les Rousseau. Il faut pas trop traîner, on prend les cafés et on se tient. Vite, vite, la semaine s'achève pour Pascal et Sacha, nos deux acheteurs. Demain, Richard, le chef, sera au piano de cuisine. Fin prêt pour le grand repas du Prix de l'Arc de Triomphe.
Non, il est pas arrivé. Donc, voilà. Quand il n'est pas arrivé, on ne sait pas si il a ses barres. Mais avant, il est temps de passer au pavillon des fleurs. Okay. Jean-Philippe y vend des spécimens rares, aux couleurs et aux odeurs inédites. Il lance une nouvelle fleur cultivée dans sa plantation au Cameroun, le bubblegum. Bienvenue dans le ventre de Paris, à Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Merci Laurent. Satisfaction de fin de semaine, c'est de se dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Après, on peut basculer sur autre chose, quoi, parce qu'on rentre chez soi, on profite de la famille, parce qu'il faut se rebasculer sur la vie normale, comme tous les êtres humains. Il faut vivre le jour. Et moi, en plus, bon, bah, ça me permet de basculer plus tranquille pour faire de la musique, parce que j'aime ça. Bon, bah. Mais c'est surtout la satisfaction d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Les deux colis de pince, c'est bon ? Trois colis, d'accord. Ok, c'est bon ? Il manque un colis d'écrevisse. Oh putain. Ouais. On s'appelle ? D'accord. Et je m'y perds dans toutes ces variétés. Et t'as combien de variétés de pommes de terre hein? On doit tourner cette année à une vingtaine. Une vingtaine? Une vingtaine. Là, je m'y perds, hein. J'arrive même plus à les reconnaître. C'est la blanche? La rouge? Non. Non. C'est un de la belle de Fontenay. Ah ouais, c'est nickel. Et tu l'as pas en lavé? Je peux leur faire laver s'ils en veulent. Mais ouais, aujourd'hui, je n'ai pas. Non, t'embête pas. Je vais en prendre une. D'accord. Pour eux. Bon, s'ils veulent goûter. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu me mets deux charlottes. Deux charlottes. Pour cascade. D'accord. Une au ballon. Oui. 75 kilos de GT pour le galopin. D'accord. Ouais. 75, 2 et 1. Ok. Là, je prends tout là maintenant. Hein. Monsieur Gilles, s'il vous plaît, vous pouvez venir voir deux minutes. Est-ce que t'as un fromage à pizza vraiment quelque chose de bien, quoi. Est-ce que t'as ça? Ouais. Tu peux me faire voir un carré? Ouais. C'est très bien pour fondre, c'est impeccable. T'as pas autre chose? Ouais, précisément, ça. Et autre chose? Mozzarella, non. Tu veux quoi, en causette ou tu veux en aussi? Je vais passer le chef du Paris Country Club. Il va t'expliquer exactement ce que lui, il veut, parce que je suis pas sûr que ce soit ça ni ça. Donc, d'accord. Peut-être que tu peux faire quelque chose pour lui. D'accord? Oui, bonjour. Gilles Carniato à Rungis. Qu'est-ce qu'il vous faut comme fromage à pizza? Je vais charger. OK. Ouais.
Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai. C'est en petite cosette. Enfin, c'est quand même assez fin, mais c'est des petits cubes. Comment t'as résolu le... Bah, il a dit qu'il allait voir ailleurs. Il sait pas où le trouver. Mais tu vois de quoi il parle, ouais, ou pas? Ouais, mais je sais pas quelle marque que c'est. Mais c'est pas possible qu'une maison comme toi, tu veux pas... Non, je sais pas quelle marque que c'est. Je sais pas, c'est une marque qui fait ça. Ouais. Je sais pas qui. Je demande à Bruno. Ouais. D'accord. Comment ça va? Vous allez bien? T'as passé les fleurs, Sacha? Vas-y, passe-moi. Alors. Bonjour madame, Sacha l'appareil. J'ai une petite commande là pour la cascade. Deux bottes de rose blanche. Une botte de rose rose. Deux gros bouquets de petites fleurs blanches. Et six bottes de feuilles pour le fromage. Ce qu'il y a de bien en fleurs, c'est que c'est vraiment un pavillon qui est beaucoup plus calme que les autres. Il y a plus de jantes féminines, donc c'est peut-être ça. C'est plus agréable à regarder, voilà, déjà, à la base. Et puis, bon, je trouve ça sympa, quoi. Les gens sont cool. C'est vrai que c'est beau visuellement, c'est très très beau. On a l'impression d'être dans un endroit un petit peu paradisiaque par rapport, déjà par rapport à la volaille, par rapport aux poissons. Il y a un côté enjôleur et puis il y a les senteurs, c'est plein de senteurs différentes, c'est sympa. T'as fini à quelle heure alors, Milou, d'hier? Oh, c'est pour ça que tu m'as fait ces petits yeux ce matin alors. Tu l'as vu arriver, Lydie, ce matin, Milou? Il y a des tout petits yeux là-bas. J'ai eu peur qu'il me tombe dans les bras. Allez, on a dû recevoir sur le Cameroun un colis avec marqué Jean-Philippe, ne pas vendre. C'est des gros héliconia comme ça, saumon. C'est une nouvelle variété qui s'appelle bubble gum. On a le bubble gum aussi en petite taille. Ça me va. Ça me va. Bubble gum. Il n'y a aucune mention particulière dessus. Non, aucune. On le met de côté, ouais. Ok. En fait, c'est une nouvelle variété, on va la tester. Ne pas vendre. Ah, c'est... Hey, Miloud, regarde. C'est pas écrit assez gros, hein. C'est pas écrit assez gros. Ne pas vendre. C'est écrit en énorme. Hein. Sur toute la longueur. Ah, si j'étais riche. On va les mettre en tenue chez trois clients différents. Chez Marianne Robic. D'accord. Chez Tali. D'accord. Et puis... Clarisse. Hein, Vertu. Et chez Vertu, tout d'accord. À fait. Donc la Marianne Robic, je vais expliquer le truc. Qu'elle teste, elle met ça dans son magasin, elle les vend pas, elle regarde la tenue, elle regarde l'intérêt de ses clients. Pour le produit. D'accord. Parce que s'il y a un intérêt, on le met en culture importante. S'il n'y a pas d'intérêt, on va pas plus loin dans le test. Voilà, cette couleur-là. C'est une variété hawaïenne qu'on a mis en culture. Elle s'appelle Bubble Gum. Et elle a une couleur un peu saumon. Je t'en donne trois tiges, tu regardes si elles tiennent ou pas. Donc faut que tu puisses me mettre en magasin, voir si ça tient. Si les gens ont un intérêt pour cette couleur ou pas. Parce que c'est une couleur, tu la verras, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, elle est assez particulière, elle est un peu plus haut. Comment tu trouves ça, toi, en couleur? C'est assez joli, c'est plus subtil, hein. Un peu couleur malabar et je sais pas quoi. Bah, bubble gum, ouais. Malabar, ouais. J'en ai donné aussi à Clarisse, de Vertu, mais à Marianne Robic, à tester également. Et suivant les résultats de ça et les tests qu'on va faire ici, eh ben, on décidera d'en planter ou pas. D'accord. Pas la peine qu'on se... C'est une production qui dure que 2 ans, c'est pas gênant? Non, si ça marche, ça dure plus longtemps que ça en général. Si le produit plaît, si la couleur plaît... Non, c'est une couleur tellement molle que c'est pour ça que je vous disais ça. Si tu me dis il n'y a pas d'avenir pour ce machin-là, c'est ringard, la couleur est moche, ça me plaît pas, c'est pas la peine qu'on en plante 2 hectares.
Etame, Bicha, Aladji, Yamsi, Chumi, Atemenge, Menyiju, Sitepi, Pele, Abdoumarou, Awemo, Jemene, Samba, Idile, Ensia, Matineyo. Est-ce que tu crois que c'est une variété qu'on pourrait se permettre de multiplier maintenant, c'est-à-dire en fin de saison des pluies? Pour gagner du temps? Oui. Parce que moi, ce que je pense, c'est que c'est une variété tellement particulière qu'elle va avoir un cycle de vie chez nos clients assez limité. Quoi. Mmh. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans la multiplication? Oui, il y en a plus que... Les plus anciens sont plus aptes, ouais, à diviser les touffes et à ne pas abîmer les bourgeons qui sortent. Ouais. D'accord. Bah écoute, je vais voir ça avec Lucas dès qu'il revient de Nyombé et puis on envisage ça pour demain. En plus, ce truc-là, on va être quand même à peu près les seuls à l'avoir. Parce que je sais pas si tu te rappelles, on avait acheté ça une fortune. Je sais plus de quel pays ça venait. C'est le dernier achat d'Hawaï. Nous avons trop souffert ici au champ. Ah bon? Mais nous n'avons jamais avoir un petit centime comme ça, que ça peut nous aussi aider. Vous avez un salaire chaque mois quand même. Vraiment, c'est mon mari comme ça, là, vraiment, depuis qu'on est ici au champ. Mais c'est toujours, on est toujours derrière, ben comme oui. Ça là. Et moi, je suis de côté pour vendre vos fleurs aussi. Hein. Monsieur, on fait les efforts. Mmh. On arrange ça correctement. C'est notre travail. Bon. Mais Dieu est grand, comme tu es venu encore nous trouver un peu de santé. Bon, moi je suis là jusqu'à vendredi, donc je vous reverrai d'ici là. Ok? Ok, monsieur. D'accord. Merci, voilà. Monsieur. À demain. Je pense que celle-là irait bien. Sur les trois clients, ils ont tous les trois trouvé que ça valait le coup de lancer ça à une plus grande échelle. Il n'y en a qu'une qui n'aimait pas trop la couleur, mais elle a trouvé que ses clients aimaient bien la couleur, donc ça me suffisait. Ceux-là, Lucas, ils ont été plantés il y a combien d'années, celui-là? Ça fait un an, presque. Ça fait un an. Oui. Un an qu'elle a été plantée, donc. Mm-hmm. C'est quand même des plantes qui poussent vite, hein. Oui, ça pousse très vite. Ouais. Voilà, ramasse-moi un peu comme ça. Fait arracher. Là, vous allez la séparer avec la machette, hein, chaque morceau. Et en fait, chaque tige va redonner une nouvelle plante. Hein. Là, sur une touffe comme ça, on va avoir une dizaine de rejets. Et là, c'est bon. Attends, tu vas me bousiller celui-là. Hein. Attention. Voilà, là, c'est bon, parfait. Parfait. Thank you.
Il n'y a plus qu'à attendre qu'il pleuve pour arroser tout ça maintenant. Merci les garçons. On va retourner au traitement. Allez, donc, merci. Et il y a Jean-Yves a dû te l'expliquer le mois dernier, c'est-à-dire qu'on a ouvert un nouveau marché en Hongrie. Ouais. Et puis on a eu de l'Italie aussi la semaine dernière avec deux clients d'Italie, là, de San Remo. Donc voilà, l'ouverture elle se fait surtout là-dessus parce que le marché de Rungis où tu étais venu là, bah ça marche, mais en France quand même la situation est un peu stable. On évolue plus beaucoup sur le marché lui-même. Donc on cherche des nouveaux marchés pour pouvoir vendre les produits que vous avez puisque vous en avez de plus en plus maintenant. Okay. Ça c'est quand même assez sophistiqué par rapport à ce que fait un floriste lambda. Hein. Et pour les jardineries, n'en parlons pas. Messieurs, salut. Ah voilà. Monsieur. 5. Ah, c'est sûr que ça laisse de la marge. Hein. Ah, tu peux en reprendre un des restos. Papier dans le ventre. Ah, on verra demain. Ok ? Merci. Il va. Hein ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pris hein ? C'est bien quand même. Ouais, c'est clair. Hein ? C'est propre. Voilà, au moins tu verras la finition des plats, quoi. Hein, c'est pour ça, pour c'est pour une ça. Fois. Oui, c'est sûr. C'est sûr. On n'a pas tout à fait les mêmes horaires. Quoi. Hein. C'est sûr. Bah ouais. J'ai pas trop l'occasion de les voir et c'est pour ça que. Comment ça lancer le bar, oui. Les artichauts. On ne les pas lourds, on va les tartiner avec le bord d'herbe. Et on fait un petit jus d'artichaut avec les trucs frères dedans. Ok. Les gens vont pas être déçus, hein, je pense que...
ça va être top. Non, ouais, non, c'est... Ça va être top, hein. Ben moi, je suis toujours curieux de savoir comment le produit est transformé dans l'assiette. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai le temps, on va dire, donc là, en l'occurrence, pour le prix de l'Arc de Triomphe, je voulais voir un peu comment ça se passait. C'est quand même des plats uniques hein, pour un certain nombre de personnes. Et de voir comment ils transformaient le produit, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et c'est plaisant à voir aussi. Quoi. Donne la requête. Yo Alix, viens voir. On va dresser comme ça. Là, le bar, simplement rôti, les artichauts. D'accord. Et pas lourde là. On va les. On est prêt avec la volaille, messieurs, là ? Sors-moi le cerf, quoi, là. Ah, voilà. Là. Super. Super. Donc, le bar, les palourdes qu'on avait tout à l'heure, les artichauts, jus d'artichaut légèrement truffé, un beurre aux herbes. Produit fini. Bon appétit. La volaille qu'on a pêchée, qu'on a rôti. Ah, ouais. Ça, c'est hyper onctueux, quoi. C'est pas sec. Bon, la sauce un peu corsée, parce que le poulet, c'est quand même plat, quoi. Émulsionnez-moi la sauce, s'il vous plaît. Oui. C'est incroyable de mélanger comme ça la volaille avec... Avec les écrevisses, c'est une vieille recette, poulet aux écrevisses. Non, c'est bien, ça. Pas pareil, champignons cuits, champignons crus. D'accord. Je suis content de rester parce que bah, c'est. Ah, voilà. C'est top quoi. Vraiment c'est top. Ça me fait plaisir. Vraiment c'est magnifique. Magnifique. Ça marche 4 couverts, on aura 3 avocats, un macaroni à suivre, 3 bars, une volaille. Oui. Donc ça fait 5 volailles, 5 bars hein, pour l'instant. Oui. Ça marche 10 couverts, on aura 10 macaronis à suivre, 10 bars. Oui. Donc nous on a 6 macas et on a 4 avocats à garde-manger. Deux sous les assiettes. La sauce. Là. Tu vas saucer, tu vas passer derrière moi. Donnez-moi les barres, là, s'il vous plaît. Mettez-moi les autres plateaux. Là, on va enlever 3 barres, une volaille. Maintenant, je veux 4 volailles, 4 barres. Allez, go. Là, on part à la 2. 101.